Different Jallet chipped up there, Kazawa, and there's the goal. It's him again, Antoine Griezmann. Only needs a sniff, and usually the result is ball into the back of the net. He is off. He's off by a yard. And he, it was his header. Yeah, the goal is disallowed. That's well done. And correctly, too. A cameo for you. Jordi Alba. Morata's waiting in there as well. De Lufeo, 2-0. Losing. He says goal. He says goal. How good is this, though, from Busquets? For the longest time, including now, Busquets has often been considered the best defensive midfielder in the league. In the world, excuse me, you look at De La Feuille off the back. Bonjour à tous, c'est 4-4-3 Los Angeles et bienvenue pour ce deuxième épisode de Tacle Lycée. Aujourd'hui, nous allons parler d'honneur, de morale et de vidéo. L'honneur ou la justice ne sont pas forcément les premiers sujets qui nous viennent à l'esprit quand on pense au foot. Cependant, c'est ce qui rend ce sport merveilleux. C'est que dans un stade, on peut y voir toutes les caractéristiques du genre humain. Le football reste un sport où la compétition est une notion très importante, ce qui a pour conséquence une volonté de réussite et de victoire. Mais le problème, c'est que dans un match, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. La volonté de gagner est tellement forte qu'elle pousse certains joueurs à prendre leur honneur, à le poser à l'entrée du stade et à le récupérer une fois le match fini. En effet, la triche, les coups de pute et les anti-jeux peuvent devenir des atouts pendant un match. N'est-ce pas Thiago ? Beaucoup d'entre nous avons eu la même réaction que ce bon vieux Rémi. Une simulation pour obtenir un penalty, mettre un coup à l'adversaire quand l'arbitre a le dos tourné, faire semblant d'être blessé pour gagner du temps, nous avons tous été confrontés à ce genre d'action, voire même nous en avons été acteurs. Certains coachs justifient certains mauvais résultats par un manque de méchanceté ou de vice de la part de leurs joueurs. Les naïfs et les optimistes n'ont pas leur place sur un terrain. Tous les moyens sont bons pour arriver à la victoire. Pas vrai Bernard ? Et là, témoin à l'audience disait « c'est pas possible, on va pas mettre de ferme pour un problème de match de football et 250 000 francs ». Face à ces vices, la plupart réagissent de la même manière. Un profond sentiment d'injustice qui laisse des marques assez fortes dans nos souvenirs. Demandez à vos darons s'ils s'en sont remis du high kick de Schumacher sur Batiston. Beaucoup en ont marre du cynisme de ce sport et ne supportent pas les tricheurs et les injustices. Pour eux, la victoire n'est belle que lorsqu'elle est uniquement d'ordre sportif. Aucun autre élément ne doit rentrer en jeu et seul le talent sportif doit influencer le sort du match. Malheureusement, la seule personne qui peut décider du sort d'un match est l'arbitre de la rencontre. Et même si tout le monde est bienveillant avec eux, il leur arrive de faire les mauvais choix. C'est banal ! T'entends ou pas ? Ici c'est banal ! Eh oui, oui, oui ! Et l'arbitre, ça dit c'est... La justice serait donc qu'une utopie pour le foot. Eh bien, détrompez-vous parce que certains pensent avoir trouvé la solution miracle. La vidéo. Utilisée dans beaucoup d'autres sports, la vidéo permet à l'arbitre de prendre les bonnes décisions et donc d'éviter les injustices. Donc on rappelle que le nouveau protocole... Et bien voilà la première application concrète de cette... C'est parti, ils vont mettre le dernier panier. Hein. Vraiment, on va regarder ça. Alors, il a encore le ballon dans les mains et il y a la lumière rouge. Ok, donc je vais refuser le panier. Pour l'instant, la vidéo n'est pas totalement mise en place parce que son utilisation est assez approximative. Le temps d'attente est assez long, les phases d'arrêt ralentissent l'intensité d'un match, et même avec la vidéo, l'interprétation d'une action peut différer entre les arbitres. Aujourd'hui, seule la goal line a su s'imposer car très rapide et incontestable.
Cependant, beaucoup contestent l'arrivée de la vidéo et veulent garder un sport naturel sans aide artificielle. Pour eux, la vidéo dénaturerait ce sport et lui enlèverait toute dramaturgie. Les mêmes qui pensent que justement le vice fait partie intégrale du foot et paradoxalement qu'il en fait sa beauté. Une pensée finalement assez romantique du football. Plus d'émotion au détriment de la justice. Vous pensez bien que les milliardaires et corrompus qui dirigent la plupart des institutions et des clubs ne sont pas très réceptifs à ce message de bohémien. Il y a tellement d'argent en jeu que voir un match basculer à cause d'une simulation dans la surface leur est totalement insupportable. Si on exclut ces gens-là qui ne voient le foot que comme une gigantesque machine à fric, on s'aperçoit qu'il n'existe pas de réponse correcte à la question « Le football doit-il instaurer la vidéo ?» Il y a juste deux idéaux différents. D'un côté, les romantiques qui trouvent que si le football est universel, c'est justement parce que le côté humain rentre en jeu et qu'on y voit tous les comportements humains, qu'ils soient bons ou pas. Et de l'autre côté, les révoltés qui ne jurent que par la justice, qui n'aiment que les histoires qui finissent bien, où le gentil gagne face au méchant. Un football où le résultat ne serait que sportif et où Van Bommel ne serait qu'une petite merde. La vidéo n'a jamais été aussi proche d'être instaurée dans le milieu du football. L'arbitrage vidéo permettra de rendre le football plus juste, certes, mais souhaitons-nous réellement un sport plus juste au détriment de l'émotion? Merci à tous d'avoir regardé le deuxième épisode de Tacle Lycée. Vous commencez à connaître la recette. Un petit pouce bleu ou un partage si la vidéo vous a plu. Et dans les commentaires, donnez-nous votre avis si vous êtes plutôt team vidéo ou pas. Allez, on se retrouve la prochaine fois pour le troisième épisode.